Ouais, fait plaisir parce que c'est vrai qu'on a, on a enchaîné les défaites et les résultats négatifs. Voilà, on avait besoin de cette trêve pour se peaufiner, pour encore mieux se connaître et encore travailler. Voilà, c'est ce qu'on a fait pendant cette semaine de trêve. Et nous voilà aujourd'hui récompensés de nos efforts. Et j'espère que ça continuera. Et c'est toujours le premier, il fait toujours plaisir. J'arrive dans un nouveau club. Voilà, j'ai déjà mis un but en Coupe de la Ligue, maintenant c'est fait en championnat. J'espère continuer ainsi. Et voilà, aujourd'hui c'est une victoire de groupe. Donc je suis content pour l'équipe que voilà, j'ai marqué, mais il faut surtout féliciter l'équipe aujourd'hui contre cette équipe de Niort. Ouais, c'est premier match, première victoire. Ça nous fait du bien, surtout qu'on était pas dans une bonne phase, et pour se relancer, ça fait du bien. Premier but nous a fait du bien et on a tenu tous ensemble. Après, ils ont eu un carton rouge, ça nous a encore plus motivés, on n'a pas lâché et on a su mettre le deuxième à la fin. Et aujourd'hui, je suis vraiment content. Et je remercie tout le monde, le coach, le staff et tout. Et ils m'ont mis la confiance et tout. Et voilà, je vais en profiter et je vais continuer dans cette allure, Inch'Allah. Bonne première parce qu'on a, la victoire. La victoire surtout à la maison. Donc c'est une bonne première et une très bonne victoire, même si c'était difficile. Après tant de défaites, surtout quand on savait que ça jouait des fois quelques détails. Là, on a su faire un match un peu plus solide, certes avec des fois cette fébrilité, parce que quand vous êtes 19e, vous avez peur de concéder une occasion sur une erreur ou quoi, donc des fois on était un peu fébrile. Après, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a montré les vertus de l'Estac, c'est de bien jouer en ballon, rester en bloc, et on a vu qu'après c'était un peu plus difficile pour l'équipe de New York, qui faisait que de balancer, c'est parce qu'ils ne trouvaient plus justement ces espaces-là. Il y a eu beaucoup de changements. Le coach, on a travaillé 2 semaines, mais le temps que les automatismes pour les uns et les autres commencent à être huilés, ça va prendre un peu de temps. Mais on a montré que déjà en 2 semaines d'entraînement, on a su gagner le match par un état d'esprit très collectif et on n'a rien lâché les uns pour les autres. Et c'est ça qu'il faudra reproduire pendant les prochains matchs.